Hey yop les petits potes, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore en live pour une rediffusion directement sur la chaîne YouTube pour une petite découverte de Stellar Blade. J'aimerais remercier PlayStation de m'avoir fourni une copie du jeu il y a vendredi. Je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais au moins, voilà, je vous fais une petite vidéo sur le jeu Stellar Blade. Donc, on est parti pour découvrir un maximum sur ce jeu, et puis let's go quoi, voilà, tout simplement. Donc Stellar Blade, jeu très moulant, voilà, qui a causé le ban de l'ami Jonathan, je sais pas si vous connaissez, sur Twitch, suite à l'exposition d'une certaine tenue, voilà, bien évidemment. Donc on va laisser le jeu en français. Oula, j'ai mis le jeu en espagnol. Super. Alors attendez, on va refermer le jeu parce que si je mets le jeu en espagnol, on n'est pas dans la merde. C'est là la langue reste en espagnol. Et genre pendant toute l'intro, j'ai le jeu en espagnol. Incroyable. Non, j'ai pas envie d'avoir le jeu en espagnol, s'il vous plaît. Redonnez-moi le choix. Bon, c'est pas grave, on peut changer. Ben. Queue de cheval longue. Tu peux changer la taille de la queue de cheval. C'est une blague. Et par contre, ma manette, elle est morte. Je vais la changer, là. Attendez. Éteindre. J'aurais une manette, là, je... J'ai le perso qui va à droite automatiquement, là. C'est un enfer. Et ça change quoi, du coup? Courte ou longue? Ouais, super. Alors, on adore. Hein, super. Là, on pousse les... On pousse tout, toutes les informations, quoi. Français. Et sous-titres, s'il vous plaît, pour la commu. Ah, putain, je me suis fait mal, hein. Ouais, je me suis fait mal. Je sais pas comment je me suis fait mal, mais je me suis fait mal. Sous-titres activés, moyen. Nouvelle partie, mode normal. On est tipard. C'est parti, let's go. C'est parti, les amis. Est-ce que ça nous affiche un truc? Est-ce qu'il y a un temps de chargement? Ah. L'escadron aéroporté 7 doit désormais exterminer les Nightiva Alpha qui occupent le district 3. Ils ont pour objectif de capturer ou d'éliminer le Nightiva ancestral. Entrée module dans l'atmosphère. Une minute avant franchissement du seuil. Activation du bouclier.
07531, atterrissage module terminé. Suppression bouclier physique, ouverture trappe. La trappe. Allez, allez! Eve, est-ce que ça va? Cet endroit est dangereux. Prends ma main. Donc on se retrouve sur le champ de bataille directement avec Eve du coup. Donc on joue à Stellar Blade et le personnage principal c'est Eve. De ce que je comprends. Et on s'est fait sauver par Tisha, notre amie. L1 pour bloquer les attaques ennemies. On se bat avec une genre de épée. Est-ce qu'il y a un mode de performance? J'adore cette VF déjà. C'est la même VF que Free Rain. C'est ça qu'on aime. Graphisme. Performance, s'il te plaît. Voilà, nickel. Je joue rien d'autre que performance. Comme ça, au moins, on est tranquille. Le jeu, il a été plébiscité un peu parce que c'est vraiment des personnages moulants. Après, je sais pas, peut-être l'histoire est bien, hein, mais... Ça m'a pas attiré déjà de base. Le jeu m'a pas attiré de base parce que j'ai vu ça un peu trop en mode... Ok, c'est un jeu pour les pervers, quoi. Ok, on peut lock. Et on peut les chain. Les ennemis sont... Comment on part, du coup? Maintenez L1 appuyé sur carré pour utiliser votre compétence bêta. J'aimerais bien savoir comment courir, surtout. Attends, elle met son arme dans son chignon? Tout va bien, Eve. Mon châssis corporel. Prends ça pour te soigner. Merci. Encore d'autres. Triangle pour effectuer une ruée. Ouais, les ennemis ressemblent tous à des... Ah, je ne sais quoi. Partons avant d'en avoir d'autres sur le dos. Par contre, le fait qu'on puisse pas courir, enfin, je l'ai pas là. C'est normal, c'est parce que c'est le tuto. Hein. Par ici. Ah voilà, L3 pour sprinter. En tout cas, c'est stylé. Hein. Y a des effets de ouf et tout, ça explose. C'est ouf, c'est malade. On peut aussi dire que son cul brille, oui. Bien évidemment, écoutez, c'est le beauf qui parle en moi, bien évidemment. Il y a du boulard. Voilà. Des explosions et du boulard. Qu'est-ce que le gamer demande de plus, bien évidemment. Bien évidemment, les développeurs, ils ont dû demander ça. Ils ont dû se dire, bon voilà alors, on va faire un jeu. Des explosions, du boulard. Voilà, c'est très bien. Genre ils l'ont pas vu tomber le truc.
survie de l'escadron. Il n'y a plus que nous. Eve. Eve, ressaisis-toi. Tachi. Écoute-moi bien. Nous n'avons pas terminé notre mission. C'est à nous d'aller jusqu'au bout maintenant. C'est compris ? Ok. Par contre, ouais, sa tresse, elle est super longue. Il n'y a pas d'esquive ? Ah, c'est rond. Je sais pas. J'ai pas l'air d'avoir d'esquive. Genre juste tu pars et tu t'attaques, c'est tout. Pour vous relever rapidement. Ah si, voilà, il y a le rond. Ah voilà, nickel. Je me disais aussi qu'il y avait bizarre un jeu sans esquive. Par contre, bon, juste tu pars et tu comptes bêtement, quoi. C'est quoi, c'est des QTE après ? Oh, c'est stylé. Ce n'était pas un alpha, mais il était puissant. Tu t'es bien battu. Encore mieux qu'à l'entraînement. On était tous ensemble. Et puis... Ton châssis corporel est endommagé. On doit trouver le camp de ravitaillement. Attends, Eve. J'entends un bruit. Eve ! Est-ce que ça va ? Naitiba Alpha. Eve, va-t'en d'ici. Tachi ! Soulblade. Tachi ! Bon bah, une intro assez sanglante, bien évidemment, mais assez stylé quand même. C'est gore, il y a des boules, il y a des explosions, que demander de plus ? Que demander de plus ? Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Plus de boules peut-être. Non, genre...
c'est calme. Oui, restons quand même sur nos gardes. C'est là qu'est le Naitiba Alpha. Maintenant, prépare-toi. Je serai en support avec le drone. Donc, c'est ça, Eidos 7 ? Oui. C'est le dernier champ de bataille de la civilisation. C'était aussi connu pour être une ville colossale. Quelque chose tombe du ciel. Une étrange sensation. Ça doit être la pluie de la Terre. On admirera le paysage plus tard. On a du travail à faire. Les données du terrain... Et Silent Streets. Putain, je vais boire un petit Dolly. Tachi, maintenez plus d'options pour... En savoir plus, personnage Adam est recycleur original de Xion qui a sauvé Eve des griffes d'un Naitiba non identifié. Conscient qu'Eve ne lui fait pas confiance, Adam lui a néanmoins proposé de progresser ensemble pour atteindre Edo 7. Tachi, commandant du 7ème escadron aéroporté. Et là, du coup, on retrouve tous les ennemis qu'on a combattus jusque-là, sauf le dernier qui est apparu en cinématique, là, le Naitiba Elite, je ne sais quoi, bijou chouette. Donc c'est un jeu où on se bat à l'épée, j'ai l'impression. Apparence de drone est bloquée. Vous pouvez changer l'apparence du drone. Pack tactique. Vous pouvez pas retirer l'équipement de base. Ok. Combinaison de plongée planète Terre. Je peux l'enlever. Je peux la mettre. Ok. Il y a aussi des lunettes. Bon, il y a des trucs. Je pense que les trucs de précommande, je peux pas les débloquer tout de suite. Des coffres, il y a des mâles. C'est quoi, il y a un truc qui est tombé là. Edo 7. C'est un ennemi de type crustacé. Il y en a plus. C'est bon, la voie est libre. Ok. Plus sur R2 pour obtenir les objets. Ah d'accord, donc si j'appuie pas sur R2, je ne les ramasse pas. Mot de passe, roi, Edo Silent Street Portal. Plus mémoire renferme un code crypté. C'est un code de sécurité, comme un permis d'accès. Donc si j'appuie pas sur R2, je ramasse pas. Ok, non, je pensais que ça ramassait automatiquement, dommage. Essaye d'entrer le code. Merci. Ça a marché. Nickel. Il y a tout qui s'écroule quand j'arrive en fait. Ils ont attendu que j'arrive. T'y habitueras bientôt. Dans un endroit pareil. C'est quoi ça? Ça se ramasse? Non, c'est une lumière. Barker. Ah, ok, ça en est. Les camps sont des endroits où vous pouvez vous reposer et enregistrer votre progrès. Lorsque vous êtes dans un camp, vous pouvez vous asseoir sur une chaise pour récupérer des PV et recharger votre injecteur. Lorsque vous êtes dans un camp, vous pouvez utiliser le distributeur pour acheter des objets terminés ou permettre d'apprendre à améliorer vos compétences. Activer le camp.
C'est connerie. Une machine. Utiliser le magasin. Grenade incapacitante. De toute façon, j'ai pas d'argent. Paramètre des compétences. On va apprendre une nouvelle compétence. Appuyez sur R2 pour passer à l'arbre de survie. Explorer et améliorer les Yatiba pour gagner des PC. Vous pouvez dépenser et apprendre, apprendre des compétences. Maintenez X pour apprendre l'esquive parfaite. Effectuer une esquive au moment opportun pour effectuer une esquive parfaite. Ok, et je débloque quoi? Je libérer des vagues d'énergie mortelle. Pas assez de PC. Ok, bah super. Et là c'est quoi? Chanson suivante. Ah, on est sur des chansons carrément. Okay. Et là, c'est pour me reposer. D'accord. Vous avez même eu Dras. Je peux activer le ramassage automatique des objets dans les options. Ah, ok, d'accord, cool. Merci mamie. Du coup ça a activé dans les options. Bah je vais le faire parce que clairement c'est utile. C'est clairement utile. On va le faire maintenant tout de suite. Je butin automatique. Putain, ça devrait être activé direct. Coup de cheval longue aussi, je vais en mettre coup de cheval courte parce que clairement c'est moche. Dans les... Ouais voilà, là c'est beaucoup mieux. Nickel. C'est trop kiké genre. Ah ok, c'est vrai qu'ils réapparaissent les ennemis, c'est un, comme un Dark Souls du coup. Comme un Dark Souls. Compétence bêta prête. Ah bah nickel, ça m'a fait recharger ma... Je sais pas, ma truc. Ma truc de compétence. Ouais bon, ok, super. Micro-propulseur. Et du coup, ça sert à quoi tout ça? Il y a du craft ou... Point de ravitaillement. Il y a des choses utiles dedans. Appuyez sur O pour utiliser la potion actuellement utilisée. Eh bien, voilà. C'est la Légion. Ah non, je veux pas. Être compatible. R2 pour récupérer des objets de manière continue. Ouais, non, mais je l'ai activé le truc. Très bien. Eve, fais attention. Tu vois les rapides en bas? Si tu tombes, c'est fini. Comment ça, si je tombe, c'est fini? Par contre, la meuf, elle a un gros boule, c'est tout. Genre, elle sait pas sauter, quoi. Je suis désolé, mais bon. En plus, ils nous essaient de nous faire faire du parcours avec la meuf, mais franchement, je suis désolé, mais c'est éclaté. Je suis sûr et certain qu'il y en a. Okay. Polymère extrême, matériau de fabrication. Alors, cherche bien. Ok. Ah, je suis allé par là en mode en détente, genre en mode. En fait, c'est même pas la route. C'est juste pour récupérer un objet, ok. D'accord. D'accord. Bah, c'est cool, c'est nice. Vous êtes dans les herbes pour effectuer une attaque. Agression, carrément. Ah ouais, bah il est mort. Il en est mort. L'équilibre définit la capacité de vos ennemis à rester en position de ses caractéristiques jauge de PV. Vous pouvez briser l'équilibre de vos ennemis en effectuant une parade parfaite. Ouais, comme là, je viens de faire. Ah ok, je peux taper un triangle quand je fais une parade parfaite. Par contre, j'ai perdu de la vie. Ok, je sais pas comment j'ai fait pour perdre de la vie, mais très bien. Parce que je pensais l'avoir fumé, mec, donc... Apparemment, j'ai perdu de la vie, super. Après, peut-être que j'avais déjà de la vie basse.
pas du tout. Plus sûr. Bon, on verra les ennemis cachés. Vas-y, viens, je t'attends. Ah, nickel. Hydre. Donc il y a des ennemis cachés. Déjà qu'il y a des ennemis de base. Ok, alors des ennemis cachés, super. Super, super. C'est quoi ça, équipement? Permet d'améliorer les capacités de combat d'Eve. Utilisez les emplacements d'équipement disponibles pour renforcer les capacités de votre choix. Appuyez sur la touche d'options, puis allez dans l'onglet équipement pour accéder au menu d'emplacement d'équipement. Vous pouvez récupérer les omnivis pour débloquer des emplacements et utiliser plus d'équipement. Équipement d'amélioration des enchaînements. Ok, arsenal. Arsenal. Équipement. Équipement d'amélioration des enchaînements. Augmente la puissance des enchaînements de niveau 2 ou plus. Il existait différents types de micro-logiciels corporels en fonction spécifique les capacités. Ok. Ok, ok, ok. Et du coup, ça me sert à enchaîner mieux les ennemis, quoi. J'imagine. Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Je sais pas. Je crois que c'est juste pas accessible en fait. Juste il y avait des ennemis là, du coup. En tout cas, au niveau du gameplay, c'est sympa. Sympa, c'est un genre de Dark Souls, mais léger, je pense. Le gros boule, c'est abusé ou pas? En vrai, je sais pas. Enfin, moi, écoute, j'ai vu des explosions, j'ai vu du fight, j'ai vu du gore, j'ai vu des ennemis dégueulasses, j'ai vu des boules. Moi, bon, voilà, je fonce en direct, hein. N'est pas se cacher. Non mais PlayStation m'a envoyé le jeu. En vrai, il m'intéressait pas plus que ça. Je ne l'aurais pas acheté. Donc merci PlayStation déjà de 1. Et voilà, bah on peut tester ça détente. Après, le jeu a l'air cool. L'histoire, bon, on verra. Attends, bien. C'est une cellule à fusion. Soulevons ce capot. Soulevons ce capot. Quel capot? Alors le mec il parle, mais ah oui, les cellules à fusion, mais j'en ai ramassé tout à l'heure, et tu m'as rien dit. Donc dans les voitures, il y a des cellules à fusion, ok. Et ça sert à quoi? À ce qu'il le créateur du jeu a pris sa femme comme actrice. Ah ouais? Grâce à ça, la Terre est encore éclairée. Après, bon, c'est une belle femme, hein. C'est une belle femme, mais physiquement, bon. Si c'est vraiment une japonaise, ça m'étonne, tu vois, genre, parce que bon, les japonaises... Physiquement, c'est plus maigre que ça. Quoique, en vrai, elle a pas un si gros boule que ça. Hein. Ça va, en vrai. Hein. Proportionnellement, elle est gaulée comme une japonaise. Et encore. Hein. Ouais, elle est plutôt gaulée comme une japonaise. Ça va. C'est pas tout. Asiatique. Ouais, ouais, plus asiatique que japonaise. Hein, parce que japonaise... Quoique, hein, elle a pas... Ses fesses, elles sont pas énormes, genre. Ça va, genre, c'est juste que c'est moulant, genre. Après, voilà, tu vois, le... Ah oui, bah super. Le personnage, il est en spandex, donc pour te dire. C'est normal, aussi. Attends, je peux faire ça, non? Ah, voilà, nickel. Le personnage est en spandex, donc en réalité, bon... Alors celui-là, j'ai pas trop compris comment vraiment le prendre, cet ennemi-là. Parce que vu qu'il se déplace... Bon, c'est un poulpito, quoi, tu vois. Le jeu a l'air plutôt simple, parce que en général, là pour le moment, j'ai juste fait des contres et j'ai relancé des attaques. Donc en réalité, ça a l'air cool en vrai, par contre. Hein. Il va y avoir un truc sympa là-dedans. Tetrastar, entrer le mot de passe. Oh, je l'ai pas. Je l'ai pas le mot de passe, moi.
Est-ce qu'il n'y a pas un mot de passe dans le... Ah, peut-être c'est lui qui l'a. T'as pas le mot de passe, toi, par hasard, non? Que dalle. La puce mémoire est grillée. Ah bah, dommage. Par contre, j'ai plus de... J'ai plus de popo. C'est ça qu'on se souvient de cette fameuse réplique, pas mal les bzaises. Eh oui, pas mal les bzaises. Pas mal les bzaises. Comment ça? Comment ça, Apex, pas mal les bzaises? Et j'ai une toux des enfers, hein, par contre. Par contre, j'ai pas le code. Est-ce que tu sais si on peut... C'est pas le code que t'as trouvé... Non, non, le code, c'était sur un garde. Que j'ai pu ouvrir la porte grâce à ça. Mais là, pour le, mais là pour cette caisse qui a l'air très stylée, et sûr il y a des trucs sympas dedans, et ben j'ai pas le code. J'ai pas le code, et je peux même pas composer un code au pif. Hein. Ah, ok. Cinématique. La ville s'écroule. En tout cas, le jeu est joli. Il y a des bons effets de particules. C'est un piège. Bah, et alors? Je peux pas me les faire? Ah, il y en a trop, je pense. Il y en a trop. Bah, du coup, on fuit. Attaquer un baril pour le faire exploser. Ouais, mais moi, j'explose pas avec. Alors, bon, là, bon, là, j'y arrive pas du tout. Hein. J'ai plus de popo, je crois, en plus. Ah oui, mais bon, au bout d'un moment, bon. Plus de popo, hein. Réanimation. Réanimation. Ah, ok, d'accord. Donc, je retourne au début du level, quoi. Mais du coup, est-ce que ça fait rip-hop les mobs? Par exemple, lui, là. Ok, d'accord. Ah bah, ça fait rip-hop les mobs, ok. Ok, ok. Est-ce que j'ai perdu des âmes ou des conneries? Genre, est-ce qu'il y a ce type de choses dans ce jeu? Non, je sais pas. Voilà, le pulpito, au revoir. J'ai reçu de la thune. Clairement. La VF est magnifique aussi. Ouais, la VF est cool. Limite, ça m'a fait penser à un Final Fantasy. Ok, d'accord. Ok, un petit Final Fantasy. Alors, est-ce que... Ouais, non, bah non. Je sais pas, genre, j'ai pas l'impression de gagner des âmes ou des conneries. C'est quoi, ça? Ça s'ouvre? Pas du tout, c'est fermé. C'est fermé. Et du coup, là, je me mange obligatoirement une vague d'ennemis. Alors, ça fait penser à Final Fantasy, oui et non. Oui et non. Au niveau des ennemis, ouais, peut-être, mais au niveau du gameplay, pas du tout. Hein. On n'est pas trop sur un FF. Ah, on peut Vesky. On peut Vesky. On peut Vesky. En fait, faut taper le baril et se barrer au plus vite, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, voilà, donc j'en ai buté un déjà. Voilà. Une petite potion qui passe bien. Voilà, nickel. Ah, je me fais fumer la gueule. Eh, mais quand il y a trop d'ennemis, moi j'y arrive pas. Hein. Bah, super. Bah, très bien. Ça fait plaisir. Allez, mec de pierre se réveille. Ok, super. Bah vas-y, viens. Viens mon coucou, je t'attends. Ah bah super. Je sais pas jouer, c'est vrai ça, j'ai oublié. Quand ils peuvent ni être bloqués ni parés, vous devez esquiver leurs attaques. Faut que j'arrive à faire l'esquive parfaite.
combat parfait aussi, ce serait cool. J'ai plus de popo. Ah merde, ça a pété, Par ici. Il y a des traces de marqueurs laissées par la Légion. Au niveau des ennemis aussi, cette façon de se battre à l'épée. Pas sûr, pas à 100%. Ouais, bah oui. Alors attends, je... Oh, ça sera, ça rappelle Tomb Raider, ça. Par contre, les bruits qu'il a fait, ça me fume. Craquer, hein, les développeurs. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et on peut monter par là. Ok, et là aussi, du coup. Ok, très bien. Et donc, ça mène où? Ok. Ah ok, d'accord. Alors, attends, j'arrive. Attends. C'est par... Normalement, c'est pivoter L3. Voilà. Et nous, on va par là, du coup. Bah oui, mais non. Ça marche pas. Ça va, mon pote? Voilà maintenant des décennies que les Natibas sont apparus, que l'humanité s'éteint dans la colonie. Ils disent que l'escadron à reporter va venir sauver les survivants, mais il ne se donne aucun signe de vie. On ne peut pas tenir comme ça, j'en peux plus. Mot de passe. Ok, il y a un mot de passe. Le code de sécurité est encore sur la puce mémoire. Elle contient aussi des indices. Ça servait à quoi le truc là-haut là? Il y a genre il y a deux barres. En tout cas, c'est pas pour. Je peux pas monter dessus. Shin Ja-hun, le nom de la femme modèle pour Eve. Bah, j'ai rematé ça tout après pour voir. Pour la science, hein, bien évidemment. Pour voir si la modélisation a été respectée à l'échelle, bien évidemment. Tout de même, il faut. Pour la science, hein, il faut vérifier ces choses-là. Hein. Hop là. Là on a 54G et après le reste c'est la mort je pense, à moins qu'il y ait un truc par là. Ouais, que dalle. Il y a toujours une connasse qui doit chanter en fond ou c'est que pour ce niveau? Tu vois l'échelle derrière moi? Ok, par là je pense que ça c'est sans à craindre. Je ne peux pas l'atteindre. Le niveau de l'eau est trop bas. Le niveau de l'eau est trop bas. Essaie avec la planche. Oh, bah, bien les échelles, hein, dis donc. Nager rapidement, plonger. Waouh, ça c'est stylé, putain. On peut aller sous l'eau. Je crois qu'elle respire. Respire sous l'eau, j'ai l'impression. Mais c'est un genre de cyborg ou c'est vraiment une nana normale, genre? Nano-élément extrême. Il a dit quoi? Utilise la planche? Quelle planche? Genre là, je peux monter sur cette planche? Ah oui, ok, c'est mieux que le Titanic. Tu vois. Allez, nage! Ok, donc je prends cette planche, par exemple, que je vais pousser. Je crois que c'est un robot. Attends de l'avoir descendu. Ouais, bah oui, j'ai vu à l'instant, là. Par contre, les contrôles dans l'eau, ils sont éclatés, désolé. Ok, nickel. Ok, on y est. Perfect Energy. Potion hautement concentrée. Sac 1 sur 2. Buvez cette potion, elle est remplie de pâtes de récupération concentrée de sa texture. Sans les plus épais, c'est difficile à avaler. Bah super. C'est quand même très sexuel, hein, les objets. Hein. Tournez et buvez pendant que la pâte de récupération fait effet. Il se peut que vous éprouviez des démangeaisons, des vertiges ou des sensations étranges. Ils sont craqués. Réinitialisateur de PC. Paramètres de compétences.
J'ai un SP du coup. Agression. Pour récupérer plus d'énergie bêta lors d'une attaque blesse l'ennemi. Augmente la puissance de la distance parcourue par la ruée. Vous frappez l'ennemi dans les airs avant d'atterrir, ignorant la garde de l'ennemi. Enchaînement offensif. Contrer. Vous générez continuellement des arcs dévastateurs vers l'avant, le troisième coup autour des ennemis. Mais bon, ça c'est des attaques. Augmente la quantité d'énergie bêta récupérée en cas de parade. Maintenez carré et triangle. Je crois que c'est évident, le jeu est très sexualisé. Ouais, bah oui, j'ai vu, j'ai compris. Ils ont craqué les développeurs. Après, c'est le Japon. Ça, tout s'explique, c'est le Japon. 1-1-1. Dans le dos des ennemis pour le contrer, étourdi l'ennemi. Cette compétence est un enchaînement offensif. Maintenez carré et triangle après une parade parfaite. Maintenez carré. Triangle après une parade parfaite. Ok. Pour briser la garde, c'est ça? Ouais, bon, c'est pas mal. Je sais pas, je vais prendre ça. Ça a l'air cool. Et je vais me reposer. Comme ça, je vais récupérer des popos. Voilà, et j'avais aussi... loot quelque chose d'équipement. Non. Les menus sont pas clairs. Ok. Pack tactique. Mais j'avais eu un bonus de précommande aussi. Enfin, un bonus de précommande. C'est PlayStation, il m'a envoyé un truc. Ah ouais, elle a pas le time hein, quand elle descend les échelles. Elle. Par contre, j'ai débloqué. J'ai débloqué des trucs, mais. À une époque, ça passait crème, comme avec Tomb Raider à une époque, mais aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas ça. Oui, bah, j'imagine. Eve est protégée par un bouclier tant qu'il est actif et bénéficie d'une réduction de dégâts. Certains ennemis sont protégés par un bouclier bénéficiant d'une réduction de dégâts tant qu'il est actif. Détruisez ce bouclier. Ah oui, ok, d'accord. Oui, bon, elle m'a fumé la gueule, la montre religieuse. Ok, je l'ai pas, hein, l'esquive, hein, c'est... Je suis mauvais, quoi. Super. Je l'ai pas, hein. J'y arrive pas. Hein. Je suis mort là ou... Ah ouais, putain, il était dur cet ennemi. Je suis juste mauvais, hein, je pense. Adam, c'est quoi ça? Tu ne le sais pas. C'est une carte. Une carte? Comment on peut synchroniser la position sur la carte? Ok. Il a dit. Hein. C'est une réponse, ça, hein? Putain. Namor attend, essaie de faire mieux, blablabla, on s'en fout. Allez. Et j'ai pas une carte, du coup, pour le coup. Par contre, il peut vraiment scanner toute la zone, hein, c'est. C'est insane. Okay, c'est pas explorable. Oh, je dirais une ancienne bibliothèque. Ces boîtes le long du mur, ce sont des appareils de stockage? Plus ou moins. Ils n'ont qu'un mégaoctet de capacité. Quel gâchis de ressources. Ah!
J'arrive pas avec le contre. Je n'y arrive point. En fait, je sais pas si j'avance ou si j'oublie des trucs. En gros, elle se moque de la carte que les humains utilisent. Ah, d'accord. Okay. Et bah, super. C'est beau de se moquer. Ah, on peut retourner en arrière du coup maintenant. Ah, ok. C'est un Metroidvania, les amis. Non, je pense que c'est un Metroidvania. Oula, attends. Ok, esquive, y'a quoi maintenant? Qu'est-ce qui... Putain. C'est de tout des enfers. Genre vraiment, genre j'ai une toux des enfers. Elle veut pas partir. J'ai pris un milliard de médocs. Allez, ça dégage. C'est pas vraiment un Dark Souls, hein, parce que en vrai... Du coup là j'ai chopé un code, mais est-ce que c'est pour ce truc là? Entrée de mot de passe, bah je peux pas. Je peux même pas utiliser le clavier. En gros. Qui descend l'escalier comme ça? Bah en vrai Tomb Raider maintenant elle est moins sexualisée qu'avant, elle est beaucoup plus stylée qu'avant. Moi je préfère la Tomb Raider du remake que l'ancienne, tu vois. Même si j'ai grandi avec les. Même si j'ai grandi avec les Tomb Raider Legend par exemple. Et la trilogie Legend que j'adore, tu vois. J'adore la trilogie Legend. Pour le coup, lui j'arrive pas à le. Je sais pas comment le combattre. Il devient bleu, mais est-ce que je peux faire un truc quand il devient bleu? Recule. En fait, faut juste vraiment le bourrer, quoi. Je pense que je suis en train de crier là. C'est vrai qu'ils se sont calmés avec Tomb Raider, vivement un autre jeu. Ouais ouais c'est vrai là, franchement j'ai envie un petit retour de la licence. En fait je sais pas où je vais parce que clairement là j'ai ouvert un truc. Ça m'envoie vers une zone. Là-bas il y a une autre zone. Mais est-ce que si je vais par là, est-ce que je rate des trucs? C'est ça mon truc, c'est ça mon doute. Déjà 48 minutes de profonde. Elle sera difficile à traverser. Il va falloir passer par la tour de stationnement. Ok. Et là du coup on cherche quoi sur Atari là? Parce que là ouais j'ai raté les trucs d'avant en fait, complètement. Dans la zone d'avant il y avait des trucs. Je pense pas que ce soit un jeu que je puisse couvrir en une heure aussi comme Sandland, hein, bien évidemment. Hein. Donc n'hésitez pas à checker les lives, les amis, ceux qui regardent la rediff sur YouTube. N'hésitez pas à checker les lives parce que clairement, vous n'allez pas pouvoir tout voir. Waouh! Putain, j'ai des quintes de tout, c'est chaud ça, merde. Waouh! Allez, ça dégage. Le réseau a été détruit, j'ai perdu l'accès aux données de la colonie. Nous n'avons nulle part où nous réfugier. Est-ce l'œuvre des Nighty Bass? La colonie a-t-elle été épargnée? Qu'est-il arrivé à la matriarche? J'ai perdu la notion du temps, car même cela se corrige pas automatiquement. Pour garder toute ma tête, je dois continuer à compter les jours en éditant de force ma puce mémoire. Ah ouais, non, mais là, j'ai une toux des enfers, genre vraiment. J'ai mal au crâne quand je tousse. Astuce. Ah bah nickel, là j'en ai un. Beau. Ah. Corps.
Celui-là, je peux l'ouvrir. Oh là là, elle se penche et tout en mode... J'arrive pas à ouvrir le coffre. Ça là là. Franchement, ils ont abusé les devs. Ils ont abusé. Elle bouge son cul et tout quoi, franchement. Non mais... Je te jure. Non, par contre, j'ai complètement skip... j'ai une caisse que j'ai skip là. J'ai une caisse dont je n'ai aucun accès. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Est-ce qu'il y aurait pas un soldat dans le coin avec un mot de passe directement qui a le mot de passe de cette caisse là? Une race des Nightibas ont envahi la Terre. Et bah oui, bah j'avais compris. J'avais compris, j'ai bien compris. Mais je veux ouvrir ce coffre en fait. Parce que je veux bien qu'on me mette des trucs sur mon chemin, mais si je peux pas les ouvrir, je suis contre. Est-ce que je pourrais revenir dans cette zone? C'est une question également. J'ai l'impression qu'ils cherchent un truc quand même. Peut-être si j'essaie de la péter. Non, je sais pas. On avait vraiment pas le code. Hein. On a pas le code. Xion est la dernière ville habitée par les humains. Chion. Xion. En gros, c'est une ambiance post-apocalyptique. Ah, j'avais bien compris. On est quand même à 52 minutes de vidéo, les amis. Donc on va bientôt arrêter, je pense. Hein, parce que je fais une petite heure de découverte, hein, bien évidemment, sur la chaîne. On va avancer un peu. Je vais essayer de taper, du coup, les ennemis qui sont en pierre. Genre lui. Alors, j'ai plus qu'une potion. Bouf. Oh. Ok, en fait... Quand ils te font leur attaque là. Quand ils te font leur attaque bleue, fauve esquive. J'ai compris maintenant. Je fais attention. Ah nickel. Nano élément. Alors il y a sûrement du craft plus tard. Et ça vous le verrez que si vous pouvez. Que si vous suivez les lives, évidemment. Après là de toute façon tout à l'heure on va aller sur Rise of Ronin. Parce que j'ai ma troisième découverte à faire. C'est quoi ça? Oh, c'est très stylé. D'accord, elle l'imprime. Noyau corporel. Nombre de noeuds corporels requis pour l'augmentation des PV max 2. Ok, c'est des quarts de cœur à la Zelda quoi. Ok, très bien. Un camp de ravitaillement dans un tel endroit? Un camp de ravitaillement? C'est quoi? C'est un dépôt de l'escadron aéroporté qui est venu ici avant. Il a l'air d'être abandonné depuis longtemps. Pourquoi avoir monté un camp dans un endroit pareil? Eh bien, ces camps servent aussi de base importante. Et ce parking est important? Ça peut aussi signifier que cet endroit est dangereux. En tout cas, cet endroit pourrait nous être utile. Il y a un petit barbecue coréen et tout, petite ambiance quoi. Vous pouvez également améliorer votre drone, fabriquer une nouvelle combinaison, vous téléporter votre camp. Ok, d'accord. Sans port, hein. Franchement, il y a tout le confort, hein. Il y a même un duvet quoi. J'aime bien le fait qu'elle prenne une pièce et qu'elle mette ça dans le truc. Je trouve ça joli. Avec le petit parasol qui s'active, genre. Après, c'est très marrant. Sur R2 pour passer à l'arbre de survie. Sélectionnez Eclipse. Maintenez X pour apprendre Eclipse. Cette action n'est disponible que lorsqu'un ennemi lance une attaque mortelle. Vous esquivez l'attaque et vous téléportez dans le dos de l'ennemi. Il étourdit l'ennemi et recharge votre énergie spontanée en cas d'attaque réussie. Ah bah c'est bien ça. Ça c'est utile ça. Je vais sur carré pour améliorer vos compétences.
cette action. Ah ok, on peut s'entraîner. Trop bien ça. Vous n'avez pas l'habitude de combattre, vous pouvez vous entraîner à améliorer votre compétence. Lorsqu'un ennemi brille une lueur bleue, essaie d'effectuer une attaque mortelle, utilisez l'équipe. Genre attends, genre il attaque en bleu et... Ah attends. Ok, vas-y, attaque en bleu pour voir. Ouais, j'ai pas, je l'ai pas. Ouais, j'arrive pas à la caler. Hein. En fait, je pense qu'il faut voir quand l'arme devient bleue. Vas-y, attaque. Attends, j'y arrive pas. Hein. Pourquoi elle recule en fait? Je comprends pas. Ça ne fonctionne pas. Et putain, mais vas-y. Rond avant rond. Putain. Ah mais si je galère autant à le caler, c'est chiant. J'ai encore un SP du coup, pour le coup. Recharge d'énergie bitter. Maintenez les touches pour charger. Vous libérez deux vagues d'énergie mortelle. C'est quoi? L1 rond? En tout cas, les ennemis sont stylés, le bestiaire a l'air varié, c'est cool. Ok, bah très bien. Très bien, très bien. Adam ? Oui ? À propos d'hier, merci de m'avoir sauvé. Ce n'était rien, vraiment. Bien que j'ai utilisé la plupart du matériel exospin que j'ai collecté au cours des années. Oh. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on peut s'entraider. On peut rechercher le Naitiba Alpha ensemble. J'aurais bien du mal à m'en sortir tout seul, de toute façon. Si tu arrives à localiser le hall des archives, tu en auras déjà fait beaucoup. Écoute, ne t'en fais pas. Je te revaudrai ça. Je te le promets. Ok, bah écoutez, on a déjà un petit aperçu de ce que peut nous proposer Stellar Blade. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine pour une autre découverte ou un autre live. C'était Alex. Peace.